Yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Perle en Starter Challenge. On se retrouve, écoutez, dans les laboratoires du QG de la Team Galaxy qu'on avait infiltré la dernière fois et on avait battu le boss Helio et on s'était laissé, eh bien, ici, dans les laboratoires, l'arrière du bureau, en fait. Et on était rentré justement dans cette petite pièce où on avait vu les trois Pokémon légendaires, à savoir Cré-Elf, Cré-Fadé et Cré-Follet qui est là-bas, voilà. Et on s'était arrêté ici parce que je pense qu'on va avoir une discussion avec le commandant du coup, je crois que c'est Saturne lui. Toi, tu as fait tout ce chemin pour sauver quelques Pokémon, ce n'est pas nouveau mais je dois dire que la logique du chef m'échappe. Pourquoi laisserait-il un enfant comme toi aller où bon lui semble? La Team Galaxy prend ce dont elle a besoin et élimine le reste. Enfin bref, tu as eu le courage de te montrer, je suis le comité d'accueil. Je vais te faire payer l'affront que tu m'as fait au lac. Ah ah ah, ben je savais qu'il y avait un combat. Je m'en doutais. J'étais pas sûr, mais je m'en doutais. Ok, voilà, donc c'est bien Saturne, du coup, qui a un Kadabra. Ok, bon, bah, du coup, on est bien, parce que je crois, voilà, j'allais dire que j'ai Torterra devant. Je suis repassé, du coup, au niveau des lits, juste avant le bureau, entre les épisodes, quand même, pour me soigner. Ok, allez, Machouille, Psycho, ouf. Alors, ça va faire quoi comme deck? Ouais, ça va. Machouille. Du coup, on avait appris Machouille la dernière fois, c'est vrai, à la place de Morsure. Et bah voilà. Je pense qu'avec Morsure, on l'aurait pas mis KO, mais là, avec Machouille, impec. Ok, Torterra, gang de l'XP. D'ailleurs, ça doit être toujours lui qui a le multi-X. Coatox, donc, qui est l'évolution de Cradopo. Et qui est type combat poison, donc on va rester avec Torterra et on va essayer de faire séisme, voir un petit peu ce que ça va lui faire. Je pense que ça devrait le faire. Ok, il est niveau 40 et il tremble en plus, donc comme quoi il a bien peur de moi. Vantardise, ah j'aime pas ça, il va monter mon attaque, mais je vais être confus. Mais par contre si mon attaque a passe, ah bah alors là je te mets KO direct. Allez, je suis confus, ah je me blesse, mince. Mince. Ouais, dommage, parce que là, l'attaque est passée. Je pense qu'on le mettait KO direct. Ok, ah, par contre, direct toxique. Ouh, ça va. Heureusement qu'on est type sol. Oh non, j'espère que je vais pas mourir. Oh, je suis plus confus. Ok, allez, séisme. Faut que je le mette KO, parce que sinon, je crois que je vais mourir du poison. Je pense, malheureusement. Ok, allez. Yes, parfait. Parfait, c'est super efficace. On est bien. Hop, mais en fait, je crois que je vais quand même mourir. Oui, j'allais dire. Parce que je vais pas pouvoir changer. Ouah, il me reste 2 PV. Ok, Archéomir, on va changer. Ne serait-ce que par le poison et puis aussi par le type. Parce que Archéomir, on va plutôt essayer d'envoyer Simiabrage. J'aurais pu rester avec Torterra et puis faire Machouille, mais il aurait fallu que je le soigne. Ça sert à rien. Honnêtement, rester avec le poison. On va envoyer Simiabrase à la place et on va lui faire une petite roue de feu, hein. Allez, je pense que ça devrait le faire. Il est niveau 38 en plus. C'est marrant qu'il n'ait pas encore l'évolution d'Archéomir, mais peut-être qu'il évolue assez tard Archéomir. Je sais plus. Bon, en tout cas, le combat s'est passé sans trop d'accro, hein. Honnêtement, ça a été. Ok, t'es coriace, petite tête, mais j'ai quand même pitié des gens comme toi. Oh, tu te calmes, hein. Non mais oh. Ah, d'où te vient cette puissance? Soit, fais ce que tu veux avec ces trois Pokémon. Il te suffit d'appuyer sur le bouton de cette machine pour les libérer. Ah, et bah écoutez, ce pourquoi on était venu, on a été, rappelez-vous, dans les trois lacs, donc le lac Vérité. Oh, j'ai eu peur, je croyais que c'était un tremblement de terre. Je me disais, mais mince, y a pas ça dans le scénario. Non, ok, c'est Torterra a survécu au poison. Yes, parfait. Non, je disais, donc oui, on a été au lac Vérité, où il y avait normalement donc Cré-Follet, au lac Savoir, où il y avait normalement Cré-Elf, et au lac Courage, où il y a normalement Cré-Fallet, et c'était trop tard, il s'était fait embarquer. À chaque fois qu'on est arrivé dans les lacs, il s'était déjà fait embarquer, et là,
on va les libérer en appuyant sur le bouton. Oui, évidemment. Voilà, je les libère. Hop, et qu'est-ce qu'ils font? Ah bah d'accord, ils se téléportent direct et ils repartent. Ok. Notre chef a fabriqué une chaîne rouge à partir des cristaux qu'il a dérobés aux trois Pokémon. Il en a besoin pour enchaîner quelque chose sur le Mont Couronné. On ne m'a rien dit d'autre. Qui sait ce qu'il compte faire là-haut? Ah ah! Le Mont Couronné, donc. D'accord, d'accord. Bon, bah écoutez, on garde ça quand même dans un coin de la tête que ils vont aller faire quelque chose au Mont Couronné. Ils vont enchaîner quelque chose au Mont Couronné. D'accord, d'accord. Du coup, par là, c'était quoi? Hop. Téléporteur de la Team Galaxy et téléporteur vert vous ramène au rez-de-chaussée. Ah, bah parfait. Parfait, parfait, parfait. Bah oui, en même temps, c'est comme dans les arènes, il y a toujours un portail qui ramène vers le tout début. Ah, bah ça, c'est cool. Bah voilà, ça, c'est une bonne chose de fait. On a libéré les Pokémon de la Team Galaxy. Alors, par contre, la Team Galaxy, elle a encore des plans. Ils ont encore des choses à faire, apparemment, au Mont Couronné. Alors, est-ce qu'on va y aller? Je sais plus si on doit y aller tout de suite. Oui, je crois. Je crois, je crois. Bah écoutez, on va profiter du fait qu'ils nous ont dit où ils allaient. On va essayer de les suivre. Hop, au Mont Couronné. Ok, alors, hop. On va passer par où pour le Mont Couronné? Parce qu'il y a plein d'endroits en fait. C'est ça que je me rappelle plus. alors, attendez, la carte. Où est la carte? Où est la carte? Où est la carte? Carte. Ok. Mont Couronné, donc c'est ici, le Mont Couronné. Mais par où on y va en fait, je me rappelle plus. Je sais pas. Je sais plus du tout. Je me demande si c'est pas par Non, c'est pas. Je me demande si c'est pas par Celestia qu'il faut y aller. On va essayer. Ah oui, mais non, je suis pas dans l'interface de vol, là. Mince, 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 mince. Hop, hop, vol. Vol, vol, vol. Je sais plus du tout. Je sais qu'il faut aller au Mont Couronné. Je sais ce qu'il y a à faire. Je vais pas vous le dire pour ceux qui connaissent pas éventuellement. Mais je me rappelle plus par où il faut y aller. Donc on va essayer par ici, par Celestia. Hop. Alors. Ah oui, mais attendez. Ah oui, je sais, je sais. Toi, va-t'en. Par contre, il y a un truc qui me perturbe. Attends, on va essayer de monter. Hop, est-ce que par là... Ah, il y avait ça, là. Il y avait ça, je me demande si c'est pas là qu'il faut qu'on compte là. Je sais plus. Hop, ah oui, mais est-ce qu'on l'a normalement, il y a une CS pour ça. Je sais plus si on l'avait eu, en fait. J'avoue que là... Ah non, on n'a pas eu la CS pour monter à ces trucs-là. Ah, ça doit pas être là. Ça doit pas être là, ça doit pas être là. Mais alors, c'est où? Parce que, alors, je me rappelle quand on était venu là... Ouais, mais non, en fait, il y a rien par en haut. Il n'y a rien par en haut parce que... Enfin, je me rappelle qu'on était passé là, on avait pas mal exploré. Alors là, je suis un peu perdu. Je dois avouer, je sais plus où est-ce qu'il faut aller. On va essayer d'aller... Bah, vous savez quoi? On va essayer d'aller voir si on peut retrouver le professeur Sorbier qui était au lac. Bon, alors, on va essayer d'aller à Littorella. Je sais plus. Là, j'avoue... Parce qu'à la base, c'est lui, le professeur Sorbier, qui nous a dit « Veille des barils », etc., etc. Hop. Est-ce qu'il est là? Ah, il est là. Ok. Ah, génial, tu viens me montrer les progrès... Ah bah, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Me dis pas que tu en as si peu vu. Non, non. Ah non, je pensais qu'il allait me dire « Oh, je suis content de toi, machin, machin. » Ok. Ah, attendez. Non, bah, ça doit pas être par là. Ça doit être par... En fait, c'est peut-être par... Oh, je sais plus. Je sais plus. Uniopolis... On va essayer Charbourg. On va essayer à partir de Charbourg, parce qu'en fait, entre Celestia et Vestigion, on a déjà fait cette route-là dans un précédent épisode, et je me rappelle pas d'un chemin... D'un chemin où on pouvait... Oui, justement, il y avait un chemin en plus qu'on pouvait faire.
Donc, on va essayer par ici. Hop, voilà. Parce que là, il y a longtemps qu'on y a été par ici. Ok. Ah oui, et cette fois-ci, on a surf. Donc déjà, on peut surfer. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Ah ah. Alors déjà, je peux aller récupérer cette petite protéine. Voilà, parfait. Ok. Oh, mince. Mince, mince, mince. Un Machoke. Oh non, je veux pas de Machoke. En fait, enfin, j'ai vu un truc à l'instant, mais ça me met un gros doute en fait. Je vais faire fuite. Ça me met un gros doute parce que ce que j'ai vu à côté là, voilà, il y a un chemin qui a l'air de monter là. Et je me demande si c'est pas ce chemin là qu'il faut prendre. Sauf que le problème, c'est que vous voyez, il faut la même CS que tout à l'heure que je disais qu'on n'avait pas. Donc il va falloir qu'on trouve cette CS, mais je ne sais absolument plus où on est censé l'avoir. Donc la dernière fois qu'on a eu un badge, le dernier badge qu'on a eu, c'était Frimapic. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui voudrait me donner la CS quand on était là-haut et que j'ai loupé? En fait, je pense que je l'ai loupé. Hop. Je vais essayer de retourner voir... j'allais dire la championne, mais non, ça sert à rien. Toc, toc, toc. Tu te rends... tu as pas... Ah, le temple. Il n'y avait pas un truc avec le temple? Attendez, peut-être. Non, c'est peut-être plus tard, le temple. Ou c'est peut-être dans, pas dans cette version-là. Tu dois partir. Bon, bah, je m'en vais, alors. Je m'en vais. Ok, je vais essayer de retourner voir la championne si elle me dit pas un indice, en fait. Je pense... C'est pas elle qui va me donner la CS, mais il y a peut-être moyen qu'elle me donne un indice sur qui me donne la CS, parce que là, j'avoue que je suis un peu bloqué. Ouais, par contre, là, ça va être un peu de l'aléatoire. Ok, c'était pas celui-là. Ah oui, mais c'était celui-là. Ok. Je crois qu'il y en avait un... Non, attendez. Ah oui, là je pouvais passer comme ça. Ok. Tac, tac, tac. Là, pour casser cela. Voilà. Après, il fallait que j'aille casser... Lesquels? Attendez, il y aura peut-être un que je peux venir casser à partir de là. Hop, hop. Il n'y a pas un truc que je peux... Ah, voilà, ok. Parfait. Toc, 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 toc. Et là, il me manque celui d'en haut encore que je devrais pouvoir casser de... Hop. Hop. Non, par là. Voilà. Ok. Et il me manque encore... Ah, attendez, il me manque quoi, là? On va essayer... Tac, tac, et... Voilà, parfait. Je suis arrivé de ce côté-là. Ça me donne rien, en fait. Ah oui, non. Tac, tac. Non, ça donne rien, ça. Ça ne me donne rien. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce qu'on avait fait. Ouais. Ah, là, voilà. Ok. Et là, c'est bon. Non, il m'en manque un encore. Il m'en manque un. C'est... Toc, 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 toc. Ok. C'est les deux là-bas. Comment j'y vais? Je ne sais plus. Comment j'y vais à celui-là? Ah oui, c'est là, là, là. Et là, normalement, j'ai assez d'élan. Parfait. Ok, et là, je peux casser celle-ci. On est bon. Donc là, il n'y a plus de boule de neige qui nous gêne. On va pouvoir retourner au début. Voilà. Et aller reparler à la championne. Parce que si ça se trouve, elle va nous dire le badge permet d'utiliser machin. Ok, ce n'est pas dans mon caractère. Ah mince! Je pensais qu'elle allait nous dire avec le badge tu peux utiliser la CS. Et que du coup, qu'elle allait nous dire tu pourrais la trouver près de machin. Ok, toujours un glaçon, l'esprit des... surtout celui des champions d'arène, ok. Je me rappelle plus du tout qui donne la CS escalade. Je vais essayer de juste faire un truc, c'est de retourner à Voila Rock. J'ai peut-être loupé un truc à la sortie de... À la sortie, comment dire, du... Du QG, peut-être. Mince. Mince, 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 mince. Non, toi non. Hop. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut me passer la CS? Toi tu dis toujours la même chose. Ça m'intéresse pas. Ou alors je l'ai loupé.
Ou alors je l'ai loupé, ça c'est possible aussi, je l'ai loupé, c'était un objet à récupérer peut-être. Ah, attendez, on va essayer de re-explorer tout, maintenant qu'il y a, normalement il n'y a plus de sbires. Hein. Ah c'est ça, ils sont tous partis. Ils sont tous partis, donc là on devrait être plutôt bon. Hop, par contre je sais plus, j'allais dire je suis plus sûr du chemin. Et je me trompe direct. Ok. Ok, ok. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. C'est marrant, mais ce chemin-là, j'ai l'impression que c'est pas encore le bon. Voilà. Je sais pas, ces deux salles-là, ça me parlait, en fait. Je me disais, mais non, c'est pas ce chemin-là. Ok, donc on va revenir là. On va revenir là. On va essayer... C'était celle-ci. Je me disais bien que ces deux-là, ça me disait rien. Ok, donc là, on est au niveau des lits. Donc là, il y avait... un combat double. Là, il y avait plusieurs téléporteurs, mais... Alors, je sais que celui-là, c'est pas le bon. Mais là, il n'y a pas une salle où, justement, il y a un objet que j'ai pas récupéré et qui serait, justement, l'ACS. Hop, ici. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ? Non ? Ok. Ok, ok. Et si je continue d'avancer là... J'ai peut-être mal exploré justement le dernier étage parce que j'ai foncé direct sur le... Ok. Attendez, il y a peut-être... Voilà, j'allais dire, je crois qu'il y avait des rapports. Ok. Création de l'espace, la chaîne rouge. La chaîne rouge. Il existe un lien entre les Pokémon des Trois Lacs et le Mont Couronné. Capturer les Pokémon des Lacs libère... Le Pokémon du Mont Couronné, des cristaux peuvent être extraits des Pokémon des lacs pour créer une chaîne rouge. Grâce à elle, le Pokémon mythique peut être invoqué et enchaîné pour suivre nos ordres. Le fichier du PC s'arrête ici. D'accord. Et je pense pas que les deux autres vont nous donner grand chose. Ok. Donc là, c'était pour revenir à l'entrée. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu prendre le téléporteur vert, ça aurait été plus rapide, peut-être. Alors, est-ce que ici, j'ai pas loupé quelque chose ? Là, pour l'instant, non. Ça, ce serait vraiment bête que j'ai loupé une Pokéball dans cette salle-là. Ah non, j'ai rien loupé. Hein. Vous avez déjà appuyé sur le bouton, il faut partir. Bah oui, mais c'est ce que je voulais faire, moi. Attendez, je suis perdu. Je suis perdu. On va essayer de ressortir. En fait, ça aurait été bien qu'il y ait un événement qui se déclenche. En mode... Ouais, la suite, c'est par là. Il n'y a même pas une ville en fait, ils nous ont juste dit le Mont Couronné. Sauf que le Mont Couronné, on peut y aller d'un peu partout. Ok, là il n'y a rien. Là il n'y a rien. Peut-être au niveau des hangars. Attendez. Peut-être au niveau des hangars, vu que au début on était rentré par les hangars dans la Team Galaxy. Hop. Voilà, par ici. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose ? Ah, il y a toi. Un peu pas plus de minute, est-ce que t'as la clé ? En tout cas, le garde possède notre QG est en possession d'une clé stockage. Tu n'es pas là pour ça. Non. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour... Non, ici, il n'y a rien du tout non plus. Mince. Et donc, re tout le monde. Donc, on se retrouve. Je pense qu'il y a eu une petite ellipse qui est qui est apparue comme ça. Puisqu'en fait, bah, j'ai cherché pendant une bonne vingtaine de minutes qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce que j'avais fait mal, en fait, dans l'aventure pour que je sois bloqué comme ça. Et en fait, il s'avère qu'on a loupé, on a complètement loupé de récupérer la CS, en fait, que je parlais tout à l'heure. En fait, il nous la manque. Donc, du coup, bah, écoutez, on va aller la chercher tout de suite. Du coup, je suis allé sur internet parce que je comprenais plus du tout qu'est-ce qui me manquait, en fait. Personne me donnait la CS et en fait bah c'est parce qu'on est passé complètement à côté. Bon, ça me semble en fait bizarre qu'on puisse passer carrément à côté et puis qu'on soit perdu en fait dans le jeu. Le jeu nous guide pas en nous disant tiens, t'as pas la CS, va voir près d'ici, elle y est. Bon, voilà. je me rappelais pas de ce truc là, mais bon, pourquoi pas. Peut-être que quand j'avais fait le jeu de mon côté, bah j'étais pas passé à côté tout simplement. Donc du coup, je retourne en fait au niveau de là où j'ai cherché tout à l'heure, en fait, où je me suis dit tiens, c'est peut-être par là. En fait, bah j'avais eu bonne intuition puisque on va retourner sur la route où il y avait la tempête de neige, en fait, tout simplement. Dans la tempête de neige, on a loupé complètement et eh bien de récupérer cette CS. Donc du coup, voilà, je vais y aller.
Hop, voilà, je vais essayer de pas trop perdre de temps parce que du coup, c'est vrai que. Alors, je sais pas trop quand est-ce que je vous aurais positionné l'ellipse parce que je vous ai peut-être laissé un petit temps où je cherchais, où je me posais des questions, mais je pense que je vous aurais peut-être pas laissé tout parce que du coup, moi j'étais à près de 40 minutes d'épisode et j'étais encore en train de chercher, etc. Donc, je pense que je vous aurais pas tout laissé. Voilà, hop, on va passer par ici. Du coup, ah oui, là, on pouvait utiliser anti-brume. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Ok. On est bon. Là, on va pouvoir ressortir si je me fais pas trop attaquer par les Pokémon. Alors, quand on sera sorti de la grotte, ce sera plutôt normalement calme, puisqu'après, il n'y a que des herbes. Donc, je pourrais essayer de les esquiver. Mais là, c'est vrai que dans la grotte, je ne peux pas trop faire grand-chose. Voilà, j'esquive, 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 j'esquive. Bon, en gros, la dernière fois, quand on a... Ah, il faut pas que je cours, en fait. Quand je cours, ça attire encore plus les Pokémon. Hop, je vais aller vite, et puis en fait, on perd plus de temps. Quand on a traversé la tempête de neige, en fait, j'ai re-regardé, en fait... Ah oui, parce que j'ai regardé pourquoi je l'avais loupé. Et en fait, quand on a traversé la tempête de grêle, je vais vous montrer l'endroit exact. En fait, plutôt que d'aller instinctivement vers la gauche, moi, je suis allé vers la droite. Et après, quand on était tout en haut, qu'il y avait les arbres, en fait, là je suis revenu sur la gauche. Donc du coup c'est vrai que je suis passé à côté de l'objet. Et voilà, bon bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Hop, allez, on y va, on y va. Du coup je sprint pas pour pas trop avoir de Pokémon. Allez, 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 allez. C'est bon, j'en ai pas eu, j'en ai pas eu, j'en ai pas eu. Hop, allez, 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 pas de Pokémon, pas de Pokémon. La sortie est là, la sortie est là. Oui, ah! Bon, il y en a eu un, ça va, sur toute la distance qu'on a fait à pied. Ça va, il n'y en a eu que un. Un petit Gravalanche. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Allez, on le fuit. Et du coup, après, on va retourner en fait sur la route où bah, il y a toute la neige. Voilà. Donc, dans un premier temps, voilà, on est sur cette route-ci où il y a un petit peu de neige. Donc là, ça va. Mais c'est pas ici en fait. C'est sur la route où il y avait énormément de. Mince, je voulais pas marcher dans l'herbe. Où il y avait énormément de neige, vous savez, où il y avait la tempête de neige qui s'était bah, complètement affolée là. Donc c'était juste là. Alors attendez, on va fuir, on va fuir, on va fuir. Mais normalement, on n'en est plus très loin en fait. Si j'esquive les touffes d'herbe, on devrait être plutôt proche. Hop, voilà, je vais sortir de là. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans la poudreuse carrément. Hop, normalement, j'avais fait tous les dresseurs, donc je vais plus être gêné par les dresseurs déjà dans un premier temps. Voilà, déjà au moins une bonne chose qu'on a fait. Ok, donc ici c'était la petite maison où on s'était arrêté pour se soigner, donc ça, pas de problème. Et c'est juste après, voilà. Juste après, on va arriver, voilà, dans une nouvelle zone qui est cette zone-ci. Et en fait, ici, ben, moi j'avais été par là et j'avais longé les arbres. Et en fait, il aurait fallu que j'aille à gauche. Parce que en allant vers la gauche, à un moment il y a une petite maison. Alors du coup, elle, je sais pas si je l'ai faite comme dresseuse. Ah bah oui, j'ai dû la faire, elle. Elle, j'ai dû la faire parce que ce coin-là, il me parle. Mais alors comment j'ai pu louper cette maison? Attendez, elle est où cette maison? Il y a un truc qui m'échappe là. Hop. Allez, allez, allez. Wow, j'ai du mal à avancer dans la poudreuse. Hop. Hop. Ah, attendez, déjà là il y a une Pokéball, mais je crois que c'est pas celle-là. Hein. Non, voilà, là c'est du fer, c'est pas ça. Ok, normalement, voilà, si je retourne par là, je crois qu'il devrait y avoir une petite maison. Et en fait, je suis passé carrément à côté. Je sais pas comment j'ai fait. Hop. Ah, il y a encore une Pokéball, je crois que c'est pas celle-là non plus. Non, voilà, là c'est Grêle, ok, bon, pourquoi pas. Voilà, là il y a une petite maison. Alors déjà, je sais pas ce qu'on peut y faire dans cette petite maison-là. Voilà, on va déjà y aller, toi là. J'ai laissé tomber une CS en luttant contre le blizzard. Si j'avais toujours eu cette capacité secrète escalade, je pourrais escalader ces falaises. Tiens, c'est marrant, il parle d'une CS. Et en fait, juste ici, là, je sais pas si vous le voyez, hop, juste à côté de moi, il y a une Pokéball. Et donc, ici, on récupère escalade. Voilà. Donc honnêtement, c'est possible de passer à côté, parce que la preuve, on l'a fait. Mais c'est vrai que ça doit être assez rare. Ouais, en fait, je pense que moi j'avais longé tout à droite, et puis bah, après on est juste remonté par là, et puis bah j'ai pas vu la maison, je suis passé carrément à côté. Ok, bon bah écoutez, du coup on va pouvoir voler, et on va voler au niveau de bah, Charbourg, puisqu'en fait toutes mes réflexions
du milieu d'épisode, là où je cherchais, était bonne, parce que j'ai voulu retourner là pour me dire, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose par ici, et puis j'ai voulu retourner à Charbourg pour chercher le passage. Le passage était bien. Alors par contre, attendez, il y a juste un truc, c'est que du coup, faut que je l'apprenne à quelqu'un, escalade, et il me semble que j'avais vu que mon petit Pokémon ACS, je crois qu'il est déjà plein en CS, il me semble. Il me semble. Ah ouais. Ah non, il a charge. Ah bon, on va enlever charge. Ok, voilà, parfait. Parfait, comme ça, il a escalade aussi. On est plutôt bien. Oui, par contre. Voilà, hop. Et en fait, le tout petit chemin que je vous ai montré tout à l'heure, où je vous ai dit, ah tiens, là, ça... Il me semble que c'est là, je crois. Et je vous ai dit, mais c'est dommage, il me faut encore escalade. Bah en fait, c'était bien là, hein. C'était bien ici. Voilà, ce petit chemin-là. Et en fait, bah maintenant qu'on a escalade, alors s'il n'y a pas trop de Pokémon... Hop, un petit Nosferati. Ok. Torterra, vas-y. Vas-y, fais-lui peur. Oh, Nosferati, tu me fais ma peur. Ok, voilà, on fuit. En fait, ce petit passage, eh bien, maintenant qu'on a escalade, on peut utiliser escalade et le grimper, ce petit truc. Voilà, parfait. Et on arrive ici, dans, bah, du coup, une nouvelle partie du Mont Couronné, que, bah, du coup, vu la longueur de l'épisode avec les recherches, etc., je pense qu'on va pas faire tout de suite. Oh, en tout cas, il y a des gros Pokémon. Voilà, il y a notamment, en plus, tout à l'heure, je parlais de l'évolution d'Archéobien, et ben voilà, au moins on la voit, comme ça l'épisode est à peu près raccord, je parle de trucs, je suis cohérent avec ce que je dis. Mais, on va pas l'explorer aujourd'hui, parce que je pense que ça va être assez long. Voilà, je récupère juste ce petit truc, voilà, une petite potion, et on va se laisser là, écoutez, parce que l'épisode est déjà assez long, j'ai passé pas mal de temps, moi, à chercher pour rien, en fait, parce que j'aurais été voir plus tôt sur Internet, parce que là, c'est tout bête, en fait, je suis juste passé au-dessus, voilà. Bon bah écoutez, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, on aura quand même libéré les Pokémon, ce qui est le plus important, et vous aurez vu comment on peut passer au-dessus d'un morceau du scénario et puis se retrouver perdu dans Pokémon. Voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu, comme je viens de le dire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, pour me montrer que vous êtes là et que éventuellement si ça vous a fait rire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, bye tout le monde!